Bonjour chers poditeurs, aujourd'hui dans l'épisode, je reçois Mathieu Ferrand et Dominique Morando. Ils se présenteront plus tard. Ils sont tous les deux auteurs de l'ouvrage Enseigné en classe coopérative aux éditions RETS. Enseigné en classe coopérative pour le cycle 2 et le cycle 3. On se retrouve donc pour une petite discussion. Tous les trois, je vous souhaite un bon épisode. Alors, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bienvenue dans le podcast. Je vais vous laisser vous présenter pour cette première question. Alors, qui commence ? Dominique. Eh bien, moi, je vais démarrer. Je suis Dominique Morando. Je suis actuellement directrice de l'Institut supérieur de formation d'enseignement catholique, un ISFEC, qui forme les professeurs des écoles du premier degré. Et je suis enseignante en cycle 3 principalement, mais je suis déchargée de classe actuellement. Et j'ai commencé dans ma classe depuis de longues années, j'avais, on peut parler à l'imparfait, à mettre en place déjà une pédagogie par atelier, quelques plans de travail. Mmh. Et suite à cette première lancée, eh bien, on a proposé de mettre en place un groupe de recherche dans cet ISFEC que Mathieu a rejoint dès les premiers temps. Bonjour, Mathieu Ferrand. Donc moi, je suis enseignant en cycle 3, CM1, CM2, pendant 14 ans. J'étais chef d'établissement aussi, de l'établissement. Et depuis septembre, je suis adjoint de direction à l'ISFEC d'Angers, donc aux côtés de Dominique, où j'ai la responsabilité de l'année des Master 1. Et j'ai toujours travaillé les pédagogies coopératives dans la classe sous différentes formes, plutôt variées en fonction de l'évolution du travail, de la relation avec les élèves. Avec le plan de travail notamment, les ateliers beaucoup, avec une grande place pour la manipulation aussi. Ouais. Voilà, notamment. D'accord, donc on est entre enseignants du cycle 3 finalement, mais tout ce qu'on va dire est aussi adaptable au cycle 2, on est d'accord, hein ? Oui, tout à fait. Ouais, d'une manière ou d'une autre, je pense qu'il faut aussi faire avec l'autonomie des élèves. Et ça, on... Donc ma première question, elle est un peu compliquée, c'est comment on peut définir en fait la coopération Qu'est-ce que c'est pour vous la coopération en classe avec une classe d'élèves? Si on parle de classe, de travail en classe, parce qu'on ne va pas définir la différence entre coopération et collaboration, on laisse... Non, oui, c'est ça, Sylvain c'est Konak, compliqué, je sais que ce n'est pas la même chose. Très bien. Oui, il fait ça très bien, Sylvain Konak, on va exactement, lui faire ça. Mais plutôt en classe, c'est vraiment, pour nous en tout cas, c'est un ensemble d'outils qui peut aller du plan de travail jusqu'au conseil de coopération, conseil d'élèves, la gestion des émotions... les débats philo, même la place de la parole des élèves, elle est très importante. Le tutorat, les évaluations différenciées, les évaluations un peu qu'on appelle au fil de l'eau, c'est-à-dire autogérées par les élèves. Alors, les guillemets, autogérées, c'est organisé par le PE, bien sûr, mais autogérées par les élèves. Voilà, c'est tout un tas d'outils en fait, qu'on met en place pour générer au sein de la classe une ambiance, une vie de classe intéressante. Mmh. Je rebondirai volontiers sur ce que dit Mathieu. Je pense que dans une classe coopérative, il règne un esprit de travail et puis d'enseignement et d'entraide, où l'enseignant n'est plus au centre de tout. Il y a une forme de communication qui s'installe entre les élèves, par le biais, par exemple, des messages clairs. On cherche à avoir une communication non violente. Également au sein de conseils de coopération, où les élèves non seulement se parlent, mais prennent des décisions dans un apprentissage à la citoyenneté. Et puis, tout un système, comme le disait Mathieu, d'évaluation progressive qui va les conduire à de l'autonomie et de l'entraide. Et je pense que ça nécessite pour l'enseignant de changer sa posture, hein, comme on le disait au début, de plus être au centre de tout, et pas seulement de transmettre des savoirs, mais de s'appuyer aussi sur les décisions et les choix des élèves pour avancer dans leur parcours. En fait, comme il y a plein d'outils divers, une classe coopérative, en fait, c'est toute la journée, quoi. C'est pas que sur des moments de maths ou de français ou alors autres, c'est ça ? C'est ça. Oui et non. Enfin, c'est-à-dire que il y a toute cette ambiance qu'on vient de décrire qui a lieu, qui est vraiment le contenant de la classe. Ça, c'est toute la journée. Et puis, il y a des temps plus spécifiques, notamment à partir d'un plan de travail, qui là vont se jouer progressivement tout au long de l'année. On ne va pas, dès le début de l'année, démarrer à 100% de temps de travail en plan de travail ou dit en coopération. Et on ne fait pas que du plan de travail toute la journée. Je crois qu'il faut aussi dire ces choses-là quand
On entend parfois classe coopérative, les gens ils pensent que toute la journée, les élèves, ils sont hors des enseignants, mais ce n'est pas le cas du tout. Oui, c'est ça, c'est vrai qu'on a l'image des fois extérieure où voilà, on pense qu'ils sont toujours en train de travailler à plusieurs. Et voilà, il y a aussi des moments, effectivement, où c'est pas le cas. Et vous, dans votre cheminement, avec toute votre expérience, comment vous êtes arrivé à avoir envie de mettre en place ce genre de fonctionnement? Moi, personnellement, c'était pour toucher le plus d'élèves possible dans le travail, puisque quand on commence, la différenciation, souvent, c'est quelque chose qui est, à mon époque en tout cas, qui n'était pas toujours. On arrivait sur le terrain, on devait se débrouiller avec la différenciation, finalement. Et je pense qu'on était tous un peu comme ça au départ. Et ça m'a toujours questionné cette histoire d'enfants qui vont vite et d'enfants qui ont besoin d'attention, qui ont besoin de plus de temps. Au départ, je ne trouvais pas de modalité pour ça. Et les ateliers. Moi, je faisais des ateliers tournants dans ma classe beaucoup pour commencer. Ça a déjà apporté une réponse parce que c'était des petits groupes d'élèves avec qui je travaillais, que je faisais tourner. Et avec beaucoup de manipulations dans certains ateliers. Et au bout du compte, j'en ai eu assez de sortir toujours du matériel jour après jour, matériel de maths, matériel de français pour cette séance-ci, cette séance-là. J'ai fini par tout répertorier et j'ai commencé à faire du plan de travail. Et c'est là que j'ai mis le nez vraiment dans cette boîte de Pandore qui est la coopérative finalement par le plan de travail en fait. D'accord, tu es entré par le plan de travail. Moi aussi, c'était une réponse à des besoins de différenciation, comme l'a dit Mathieu, par rapport à des élèves qui vont plus vite, ceux qui ont besoin aussi de se rassurer pour être avec d'autres, pour travailler, pour rentrer dans leur travail. Et donc, moi aussi, ça a commencé par des ateliers tournants où, selon les séances, des élèves à besoins particuliers qui se retrouvaient ensemble ou au contraire qui étaient tutorés par d'autres. Et puis, différentes vitesses de travail aussi. Et également, un accès. Alors, moi, c'était plutôt une feuille de route. On pourra peut-être en dire rapidement une différence, mais avec enfin, un certain nombre d'activités qu'ils pouvaient réaliser en autonomie avec des degrés de difficultés différents. Effectivement, il y a une grosse différence entre feuille de route et plan de travail. J'en parle dans un article sur mon blog aussi, sur un podcast, je ne sais pas si vous avez écouté. Mais effectivement, il y a une grosse différence. Et donc, du coup, quand vous êtes entré dans la classe coopérative, quels outils vous avez mis en place? Donc, tu disais, Mathieu, plutôt toi, le plan de travail, c'était le premier outil que tu as utilisé? Oui, et puis si je peux juste faire un détail sur le plan de travail, en fait, le plan de travail, ça permet aux élèves de faire des choix. Et cette histoire de choix, moi, je l'ai aussi. Je suis rentré dans ce plan de travail-là parce que j'ai suivi des formations sur les neurosciences et j'ai pris une claque sur chaque jour quand j'ai suivi cette formation-là parce que je me suis rendu compte qu'en fait, les élèves, enfin, toutes les avancées sur le cerveau, sur la motivation intrinsèque des élèves, la motivation personnelle, parfois, en fait, on l'oublie à l'école et on oublie que les enfants, ils ont des passions propres et qu'ils peuvent avancer aussi en fonction de leur choix à eux. Et ça a été déterminant dans l'utilisation du plan de travail. Et donc, le plan de travail, c'est un listing d'activités. C'est ça que tu demandais, hein, si tu voulais savoir le plan de Non, travail. c'était L'emportement des parents. oui. Ouais, par quoi? Les outils Ouais, les outils. pour entrer dans la classe coopérative, toi tu disais que c'était plutôt le plan de travail, les premiers Mais je outils que tu as pense qu'on peut utilisés. commencer par une feuille de route, je crois. Hein. Parce que le plan de travail, c'est la feuille de route version XXL, un peu version ultime, si on peut dire, avec vraiment quand on a bien pensé la chose, parce que ça laisse beaucoup de place aux élèves, finalement, et il faut vraiment bien le penser quand on est PE. Mais la feuille de Mais du route, c'est coup, pas mal. Excuse-moi, je te coupe, mais si tu commences en feuille de route, en quoi, en fait, c'est de la coopération? Eh bien, ça aide à la coopération parce qu'il y a un listing d'activités. Donc, les élèves, ils vont avoir du choix. Certains vont les faire avant d'autres, vont peut-être réussir avant d'autres. Et si on organise du tutorat, c'est là qu'on va y venir justement, eh bien, il y a des élèves qui sont plus performants sur certaines activités qui vont pouvoir en aider d'autres. Sauf que les activités sont les mêmes pour tout le monde. Donc, on n'est pas dans un parcours individualisé, on est plus dans un rythme peut-être qui est différent pour chacun. Et moi, de mon côté, j'ai plutôt commencé préférentiellement par les conseils de coopération, où là, il s'agissait de bilans de fin de semaine particulièrement, où on se disait à la fois au plan de la vie de la classe ce qui s'était bien passé, ce qu'on voudrait améliorer, quelles décisions on prenait, et à la fois sur un plan de travail, et là, c'était plus un bilan personnel. Est-ce que pareil, est-ce qu'on a bien réussi? De quoi j'ai besoin? Et après, les élèves allaient s'inscrire sur des affiches pour solliciter de l'aide de la part des autres pour dire sur tel point j'ai besoin, qui peut m'aider, etc. Donc, c'est comme ça que j'ai démarré. Donc, Donc, moi, beaucoup j'étais de. encore aux prémices d'une classe coopérative qui n'était pas tout à fait lancée encore. Hein. Ouais, donc beaucoup d'entraide et de tutorat au début pour stimuler cette coopération.
Ouais. Mais on Et à voit bien que travers le plan de tout est travail et lié. la feuille de route, quoi. Mais tout est lié finalement, parce que quand tu laisses de la liberté aux élèves en classe pour faire du choix, eh Ouais. ben, des questions vont être amenées de par le bruit déjà. Il y a du bruit, on n'arrive pas à travailler, donc on va en parler un moment dans la classe. Donc on met en place un conseil d'élèves pour parler de. C'est gênant pour certains, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut mettre des tables plus loin? Voilà, ils vont proposer des choses. Et puis pareil, après, dans la résolution de conflits aussi. Certains ne vont pas être toujours d'accord. Donc, on va, pendant ce travail qui est un peu plus libre, eh bien, il va falloir gérer tout ça. Et après, il y a l'histoire de bah, comment j'apporte de l'aide aux autres, comment j'obtiens de l'aide, parce que le maître, il est tout seul, mais on est 25 à travailler. Donc, sur ces temps-là, ça vient un peu naturellement, finalement. Non, mais c'est vrai parce qu'en fait, on confond beaucoup, comme tu disais tout à l'heure, la classe coopérative et collaborative. Et on pense des fois, quand on est en classe coopérative, voilà, qu'on met les élèves à un îlot à quatre et puis il faut qu'ils travaillent sur une notion ensemble et qu'ils se débrouillent pour arriver à en sortir quelque chose. Oui, puis tu vois, souvent, quand on fait des formations continues aux enseignants, là, je commence toujours par dire, bon, on ne va pas parler que du travail de groupe. Ah bon? Et souvent, c'est vraiment ça. Ils pensent vraiment qu'aller faire la classe coopérative, c'est le C'est travail de ça. groupe, en fait. Exactement. Mais je pense qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui pensent que la classe coopérative, c'est ça, c'est travailler en groupe. Alors que non, finalement. Il y a une partie travail de. Comment on rend Oui, il y en a un efficace petit le peu travail quand de même, ouais, groupe? d'accord. Donc, on en parle souvent de rendre ça efficace. Et Sylvain Connac en parle très bien d'ailleurs, de faire travailler les enfants tout seuls d'abord, puis d'aller dans un groupe après, mais pas travailler très longtemps finalement, parce que sinon c'est contre-productif. C'est ça. Mais oui, c'est pas ça, c'est pas que ça. Mais la parole de l'élève, elle est importante. On C'est voit ça. bien dans tout ça finalement que tu peux pas faire du plan de travail, tu peux pas parler des émotions sans laisser les élèves avoir la parole finalement. Et le conseil de coopération, il est central dans la classe coopérative. Et puis la valorisation des talents, ce qu'ils savent bien faire, comment ça peut être mis au service des autres et de soi-même aussi, parce que pour certains qui ont un déficit d'estime d'eux-mêmes, le fait de pouvoir valoriser leur talent, eh bien, ça va les aider aussi à se lancer dans d'autres apprentissages qui pourraient être plus difficiles. Ouais, et un petit mot du coup sur le conseil coopératif, tu disais que c'était central à la classe coopérative. Bah oui, parce que en fait, les élèves, ils s'approprient l'espace classe, ils s'approprient cette classe qui est à eux finalement. C'est nous, on est PE dans la classe, mais ils sont là tous les jours de la semaine, hein. Donc c'est un Ouais. peu leur deuxième maison finalement. Donc s'ils pensent pas les règles, s'ils pensent pas la vie de classe eux-mêmes, bah c'est pas un endroit vraiment. Enfin, ils vont le subir, la classe, sinon, je trouve, moi. Alors que si on leur permet d'avoir accès à un certain degré de liberté, entre guillemets toujours, mais de Oui, bien liberté sûr. gérée, eh ben, les enfants, ils s'approprient beaucoup plus le travail dans la classe, je pense. Et c'est pourquoi on n'a pas encore parlé d'aménagement de la classe, qui va peut-être dans la tête de certains aller sur la notion de classe flexible. Oui. Mais cette classe flexible, elle l'est parce que on a organisé cette flexibilité en fonction des besoins des élèves. Donc, si on constate qu'un élève est sans cesse en train de remuer sur sa chaise, je pense que tout le monde a fait cette constatation dans cette classe, dans sa classe, eh bien, on va en parler peut-être au conseil de coopération parce que lui, ça le gêne forcément, son voisin, ça gêne. Et puis, on va trouver des solutions. Par exemple, avoir un ameublement différencié ou des coussins picots et tout ça. Mais c'est une conséquence de cette discussion plutôt que tac, on amène un meuble et puis on va voir ce que ça donne. Oui. C'est pas la résolution des problèmes du match de foot, quoi. Oui, C'est de c'est ça. coopération. Ça Donc, ne du doit pas être coup, ça. la première étape, peut-être, voilà, amener une feuille de route ou un plan de travail, mettre en place un conseil coopératif. Et pour aller plus loin, comme vous disiez, peut-être aussi revoir l'aménagement de la classe. Ouais, et puis en fait, je pense que dans l'ordre, c'est pas mal. C'est feuille de route. Oui. Qui va créer des besoins? Donc, va falloir mettre en place un conseil de coopération. Mais en parallèle, il va falloir parler des émotions avec les élèves aussi. Donc les Parce que. émotions, on peut faire un point sur les émotions avant l'aménagement de la classe. Ouais, et puis l'aménagement de la classe va venir naturellement dans tout ça, de toute façon. Mais Ouais. après, les émotions, il faut pas l'oublier, quoi, avec les messages clairs. Bon, ça, je pense que tout le monde connaît ça aujourd'hui, les Oui, messages clairs. maintenant les messages clairs, oui. C'est pas mal, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, voilà, dans cette histoire de je fais mon plan de travail le matin ou je fais ma feuille de route, on fait les bilans, comme disait Dominique. Qui a réussi quoi aujourd'hui? Qui est content de son travail? Ben, il y en a plein, on ne dit jamais ça dans notre journée de boulot. Là, on se dit Non. pas, là, t'es content de toi, Dominique? C'est Non, mais c'est important de le vivre avec les élèves aussi, parce que vrai, c'est finalement, vrai. ils partent de l'école avec quoi le soir sinon? Et de Bah oui, faire des c'est temps vrai. de. Et Céline Alvarez, elle appelle ça le réchauffe-cœur, mais c'est hyper intéressant, quoi. De se dire, bah, moi, je suis fier de moi ce matin parce que j'ai réussi mon évaluation de numération, alors que j'arrivais pas avant. Et en plus, je me suis fait aider par Titouan. Et Oui, alors en là, plus. petit applaudissement pour tout le monde. Hop, et puis tu repars de là, tu es un peu gonflé, quoi. Ouais, c'est très valorisant.
Exactement. Et donc, Ouais. dans le plan de travail, il doit y avoir une place aussi sur mes fiertés de la semaine ou des 15 jours en fonction du plan de travail. Et puis, ce que j'ai encore besoin de travailler. C'est ça. Je fais des choix, je me lance, quoi. Je me donne des objectifs. Et donc, du coup, sur l'aménagement, qu'est-ce qu'on peut faire pour Ben, favoriser cette classe coopérative? ouais, avoir la possibilité dans sa classe de bouger les espaces, si toutefois on ne peut pas installer un espace de regroupement, avoir Oui. une possibilité de bouger les tables, installer aussi des étagères très accessibles qui contiennent le matériel dont parlait Mathieu tout de suite, qu'on n'ait pas sans cesse à chercher où c'est rangé, Ça soit et que ça, lisible, voilà, clair. que les élèves ils sachent où aller pour leur plan de travail. Je vais chercher telle boîte, numéroter telle couleur, etc. Qu'est-ce que je voulais dire? Aussi des espaces où les élèves peuvent s'isoler avec des casques, des choses comme ça, s'ils ont besoin de silence, ou bien des tables où on peut travailler par deux, par exemple, s'ils vont solliciter l'aide d'une ceinture au-dessus de la leur pour les aider, etc. Donc, penser ces espaces de rangement et ces espaces de travail. Il doit y avoir plus de place que d'élèves, pour moi. Si c'est possible, bien sûr, hein, ça c'est dans l'idéal. D'accord. Non, non, parce que c'est vrai que souvent on va vers le moins de place que d'élèves Non. et toi tu es plutôt plus de classe que Oui, plus de mais tu place vois, que d'élèves. tu peux enlever des meubles qui servent à rien, par contre. Ouais. Mais tu peux garder deux tables. Tu vois, dans ma classe, on était 26, il y avait une trentaine de places assises, mais plus ou moins assises en fonction Ouais. des espaces de travail, mais qui permettaient d'aérer, en fait, le travail des élèves, de les mettre à différents endroits quand ils avaient besoin. Un tapis aussi par terre, si on peut, pour soit de la lecture, soit des jeux, enfin des jeux de géométrie dans l'espace où on va pouvoir faire des caplas ou des tangrammes ou des choses par terre, ça change l'espace et ça permet aux enfants qui ont besoin de bouger de se mettre là. Aujourd'hui, on voit beaucoup des U de travail près du tableau, parce que ça implique qu'on va travailler avec un petit groupe au tableau, mais il faut aussi se donner la liberté de faire comme on a envie. Je pense qu'il n'y a pas un aménagement de classe, ça correspond à chacun, en fait, à la manière dont tu envisages le travail avec les élèves. Tu vois, c'est un Oui, c'est peu ça, ça. je pense. Non, mais du coup, oui, on met en place pas mal de choses. Et donc, les bénéfices que vous avez observés, vous, à cette mise en place en classe? Bah, en tout cas, l'estime de soi, moi, je trouve que Mmh. c'est le premier au niveau des élèves. C'est Ouais. vraiment le bien-être, l'estime de soi. Quand les enfants, ils arrivent dans le couloir et qu'ils pensent, ils se disent, ah, toi, tu fais quoi ce matin? Tu vas faire quoi? Ah ouais, moi, je fais cette validation-là. Ouais, je vais faire mon exposé. Bah, là, tu te dis, t'es content quand même. Parce que, un, ils sont motivés par le boulot. Deux, en plus, on parlait du réchauffe-cœur. Il y a vraiment, mais vraiment, un travail autour de l'estime de soi qui est super, quoi. Qui leur permet d'être fiers de leur travail, de se donner des objectifs. C'est un peu ce qu'on veut dans la vie future, finalement, d'être bien dans ses baskets et puis de se C'est donner, ça. d'aller de l'avant, quoi. Et ça, moi, je trouve, en tout cas, c'est la première grande réussite. Ouais. Sans parler du travail, après. C'est ça, ouais. Et puis que le climat de classe s'en trouve amélioré, Oui. puisqu'ils ont l'habitude de faire attention les uns aux autres et de s'appuyer les uns sur les autres. Donc forcément, le climat est amélioré dans la communication. Dans le respect aussi, même du rangement, parce qu'il voit bien que si c'est mal rangé, bah, c'est plus difficile de travailler. Même si c'est pas magique, hein. Voilà, je pense que ça, c'est important la nuance que vient de dire Mathieu. Parfois, moi, je me suis retrouvée à avoir mes tables alignées et puis arrêter pendant un temps de faire des ateliers parce que c'est inenvisageable avec un groupe, quoi. Oui, ça peut arriver, oui. Ça Mais fonctionne, après, oui, c'est ça. Ça dans fonctionne les autres. pas avec Non, toutes les excuse-moi, oui. cohortes ou pas. Bah, c'est ça, ouais. Peut-être il y a des enfants pour qui c'est plus compliqué de faire des choix, de s'autonomiser beaucoup, voilà. Il y a des enfants pour qui c'est difficile. Mais ce serait aussi pour ces enfants-là difficile. De toute façon, c'est difficile aussi pour ces enfants-là dans une classe dite classique. Bon. Ça, je pense que ça permet quand même d'améliorer la prise en compte de ces élèves-là qui sont plus difficilement pour lesquels il est plus difficile de s'adapter en tant qu'enseignant. Ouais. Après, on a parlé bien-être, mais dans les apprentissages aussi, moi, je trouve que ça a un réel impact parce que les élèves. En tout cas, s'il y a du matériel, parce que quand c'est que de la fiche, du plan de travail sous fiche, etc., moi je trouve que c'est différent. Mais si on arrive à trouver un savant mélange d'abstraction et puis de passage par la manipulation, et ben les élèves, ils ont plus de temps, je trouve. On prend plus le temps avec eux de revenir sur certaines notions, de refaire, de travailler en petits groupes. Et ça a un réel impact sur les apprentissages et sur les résultats des évaluations après. Acquérir des méthodes, quand on est en plus petit groupe, qu'on va doucement, qu'on construit pas à pas la méthode. Ça les aide à l'acquérir forcément.
pendant que d'autres vont plus vite à côté sur d'autres. Voilà. Et puis bah aussi peut-être le fait que l'erreur est plus facilement acceptée par l'enfant lui-même, parce que bah, il sait qu'il va pouvoir recommencer, que ça va pas être moqué ou quoi, donc ça l'aide à accepter d'avancer avec des erreurs, à tâtonner. D'accord. Donc pour mettre en place une classe coopérative aussi, pas mal de préparation, on va dire, de matériel pour avoir tout à disposition pour pouvoir le proposer aux élèves, que ce soit de la manipulation ou d'autres en fonction de ce que veut faire l'enseignant, quoi. Ça, c'est un vrai travail en amont de vraiment lister tout ce qu'il y a dans les placards. Donc Ouais. déjà, pour faire du tri, comme disait Mathieu, et même dans les meubles aussi, enlever les meubles qui ne servent à rien. Et puis, de pouvoir se dire, bon, tiens, j'ai telle ressource en français, telle ressource en maths, voilà ce que j'ai besoin, ce dont j'ai besoin, qu'est-ce Qu'est-ce que qui je pourrait peux. favoriser l'autonomie Voilà. dans ce que tu Et puis, en fonction de ça, bah, construire ses boîtes, hein, avec la progression. Enfin, après, la préparation de classe, elle est classique, hein. Il y a programmation, Oui. progression, etc. Mais on sait sur quoi s'appuyer pour mettre en place les séances. Mais aux vacances, tu sais que tu as 3 jours où tu vas préparer quand même l'aménagement de la classe, les ateliers que tu sors pour la période, etc. Il y a du boulot en amont, c'est évident, de Oui, c'est penser ça. les choses et de fabriquer des choses aussi. Mais de toute façon, dans une classe coopérative, il y a quand même aussi des temps en commun, quoi. Ben bien sûr, ouais. Ah, bien Et sûr. tu vois le plan de travail dans un emploi du temps classique. Le matin, ils arrivaient dans ma classe, c'était le plan de travail pendant 1 heure, mais il n'y en avait pas d'autres dans la journée après. Il y avait 1 heure de plan de travail où moi j'étais dispo pour travailler avec des groupes d'élèves qu'on avait ciblés ensemble en fonction des besoins. Et Oui. après, c'était dictée du jour, c'était travail de dictée coopérative. J'avais des séances de maths et de français en petits groupes, en atelier tournant. Après, il y avait quand même le plan de travail qui était en jeu, mais il y avait quand même des séances d'histoire, de géo. Voilà, il y avait toujours des choses. Mais dans une ambiance coopérative malgré tout, le Ouais. travail de groupe était là installé avec là, des recherches, des choses comme ça. Donc, je voudrais revenir sur deux choses sur ce que vous avez dit. C'est la première, on parlait tout à l'heure de coin de rassemblement. Souvent, en cycle 3, on se dit bah, un coin de rassemblement, ça fait maternelle. Moi, j'en ai un dans ma classe et j'y tiens avec un tapis et des coussins tout autour. En quoi c'est important dans une classe pour vous? Moi, je trouve que c'est bien de pouvoir tous se voir pour bien prendre en compte chacun des élèves au même titre. Parce que quand il y en a qui sont devant et d'autres derrière, bah, ceux de derrière soit se sentent ils peuvent se désinvestir ou se sentent moins considérés que ceux de devant quand il y a un débat, parce que les autres se retournent ou pas. Enfin bref. Donc je pense que c'est un premier atout, le fait de pouvoir tous se prendre en compte. Et puis, ouais, enfin, je sais pas s'il y a un et puis, en fait. C'est le principal atout. Non, puis après, c'est long une journée de classe aussi. Enfin, C'est vrai. c'est bien de varier les modalités, d'être tous ensemble autour d'un tapis, c'est cool aussi. Moi, je trouve, c'est pas Ouais. forcé d'être toujours assis sur une chaise dans la C'est vrai. classe. C'est un petit moment un peu cocon, un peu Ouais, non. privilégié. Après, on va dire, oui, mais en sixième, comment ils vont faire? Mais ils s'adaptent très Bien bien, les sûr. enfants. C'est Ils sont exactement toujours souvent. adaptés. Il y a pas, moi, je trouve, en tout cas, je sais pas ce que tu en penses, toi, par rapport à ton point de groupement, mais ils s'adaptent, les enfants. Exactement, et puis on n'est pas obligé de faire parce qu'ils vont aller en sixième l'année prochaine, alors il faut faire comme si ils étaient déjà au Exactement. collège. On a le droit de vivre la scolarité primaire jusqu'au bout, quoi. Et effectivement, ils adorent hein, ce coin-là, le petit tapis pour Sûr. venir faire un jeu, les petites tables, C'est ça. pour venir Même devant pour être près de avec un moi aussi, des fois, quand livre. je suis devant, ouais, amener un livre, exactement, ouais. Puis dans la relation élève-adulte, on est aussi dans autre chose. Ça n'empêche pas le respect du tout. C'est qu'on est Exactement. dans une proximité qui est différente, je pense, et qui permet vraiment d'atteindre les élèves autrement, de mieux les connaître aussi, peut-être. Et puis qu'ils osent peut-être se dire, bah, ah, il est avec nous sur le tapis. Voilà. Ça tombe Je bien pense. parce que la deuxième chose que je voulais parler, c'était la posture de l'enseignant, justement, dans une classe coopérative. Le lâcher prise. Ben, carrément, C'est le ouais. fameux lâcher prise, quoi. C'est Qui est ça aussi. difficile. Après, bah, et je pense qu'il n'est pas fait pour tout le monde non plus. Et ça, Aussi, il ouais. faut l'accepter. Il y en a qui font hyper bien la classe, non pas de manière coopérative, qui arrivent à différencier et tout ça, mais qui ont besoin de maîtriser plus de choses. La classe coopérative, elle demande pas mal d'énergie quand même et de travail d'équilibriste un peu, quoi. Ouais, c'est ça. Et ce n'est pas fait pour tout le monde, je Et pense. puis ouais, lâcher prise aussi, par exemple, sur les corrections, parce qu'il y a quand même pas mal d'appui sur l'autocorrection. Si la personne qui est en classe a vraiment envie de tout voir et tout corriger, c'est pas forcément une bonne solution pour lui, la classe coopérative. Non, mais c'est clair, avec plusieurs manipulations. Moi, je vois que dans mon fonctionnement, par rapport à quand j'ai débuté il y a une quinzaine d'années en cycle 3, même mon temps de correction, il a vachement diminué, quoi.
Parce que, comme vous dites, bah, il y a des choses autocorrectives, on fait beaucoup plus de manipulations, on passe moins par des fiches qui sont longues et contraignantes aussi à corriger. Ils sont évalués au fil de l'eau sur des petites compétences plutôt assez rapides et pas des grosses évaluations sommatives comme on nous apprenait à l'époque de faire en fin de période, quoi. Donc, c'est tout un fonctionnement et du coup, on peut passer plus de temps à la préparation. Mmh. Ouais, ou même à vivre la classe avec les élèves, quoi. Aussi, oui. Et la correction en direct, et ça, c'est super en tant que posture d'enseignant. Quand les enfants sont en plein de travail, qu'ils ont choisi de faire une évaluation, qu'ils viennent te corriger et que tu es dans du feedback direct avec eux, que tu peux leur C'est dire, ça. tu vois ça là, la fraction là, c'est à cet endroit-là, en fait, c'est quand tu décomposes, toi, que c'est encore difficile. Donc, je t'invite dans ton plan de travail pour la semaine prochaine ou pour demain à travailler ça, ça et ça. Et là, on est dans le cœur de notre travail, en fait. C'est ça. Vraiment, une attention particulière à chaque élève. C'est vraiment un atout dans ce système de classe. Mais en tout cas, le cadre, il doit être bien, bien pensé et bien Oui. géré en amont. Ce n'est pas un truc de laxiste, la classe coopérative, comme parfois ça peut donner à voir, à se Oui dire, les aussi, oui. enfants choisissent ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Ils choisissent dans un cadre bien défini par l'enseignant et dans une préparation qui est très cadrée, finalement. C'est très cadré, la classe coopérative. Il ne faut pas croire que c'est le bazar, finalement. Parce que si ce n'est pas cadré, là, ça ne va peut-être pas bien se passer. Ouais, c'est vraiment la fourmilière, quoi, la comparaison. Chacun bien sa tâche et c'est C'est exactement ça. ça. Ouais. C'est ce qu'on dit quand on me remplace, on dirait une ruche qui bouge, voilà, ça se Exactement, ouais, pareil. déplace, ça change, ça va voir quelqu'un, ça va s'aider, ça va chercher un document, un jeu, ça repose, etc. Et c'est vrai que j'ai mon directeur qui était plutôt vieille école, lui, quand il voit une classe comme ça, il est un peu. Ouais, ça... Bah, ça Mais peut faire peur, hein. c'est vrai, c'est ce que j'allais dire, ça nécessite vraiment de la communication avec les collègues et également avec les parents, parce qu'ils peuvent effectivement avoir cette impression-là, mais mon gamin, il travaille quand? Puis vous vous rendez compte, en sixième, il y aura monsieur machin. Donc, c'est bon. Mais encore une fois, c'est les résultats dans le travail aussi qui montrent. C'est pour ça que c'est important d'évaluer le travail qu'on fait en classe, nous, en tant que PE, dans la posture. Il y a aussi ça de se dire, bon, concrètement, je peux évaluer qu'est-ce que les enfants, ils apprennent, en fait, avec ce système-là. Est-ce que ça progresse? Et quand on arrive à constater ça, c'est plutôt chouette, quoi. Parce ça me conforte, même si c'est pas toujours facile, mais. Parce qu'il y en a qui peuvent mettre en place ce genre de pédagogie alors qu'ils ne sont pas tout à fait prêts. Et Oui. c'est le risque d'être un peu le bazar et que les enfants, bah, certains ne font pas les évaluations, mais ce n'est pas très grave. Voilà. Bah, moi, ça me gêne un peu Ouais, plus. voilà. Je pense qu'il faut être vraiment rigoureux dans Ouais, ça demande l'évaluation, dans le beaucoup de suivi rigueur. d'évaluation. Ça demande Ouais, au vraiment. final, oui. On a l'impression, mais c'est vrai que c'est une ruche cadrée, en fait, c'est ça, quoi. Ouais. Et c'est vrai que ça peut faire peur aussi, parce que voilà, il faut accepter que les élèves se déplacent, il faut accepter que les élèves fassent un petit peu plus de bruit, forcément, parce que quand ils s'entraident, bah, même si on leur demande de chuchoter, on a des classes quand même qui sont assez chargées. Et faut accepter tout ça aussi, quoi. C'est pour ça que tu disais, ça peut peut-être pas convenir à tout le monde, quoi. C'est Non, puis ça. quel type de bruit on accepte, justement, c'est ça dans la rigueur, c'est aussi ça, on doit faire la part des choses, puis les élèves aussi doivent faire la part des choses, tout ça. Pourquoi je me déplace? Et ça, on en parle en conseil coopératif après, pour Exactement. avancer là-dessus. Exactement. Et tu vois, petit exemple de conseil coopératif qui marchait bien pour montrer justement que cette classe-là, ben voilà, les élèves, ils ont eu le besoin l'année dernière dans ma classe d'avoir un outil, il y a 2 ans, d'avoir un outil pour gérer le bruit. Parce qu'ils estimaient que quand on se disait que ça c'était trop bruyant, et ben ça c'était pas assez efficace. Donc on a mis en place le triangle sous leur demande, et c'est eux qui ont dit, bah, au bout d'une fois, quand on tape dans le triangle, c'est-à-dire qu'on baisse le son. Et c'est venu d'eux, donc c'était beaucoup plus efficace, ça a bien marché. Et l'aménagement de l'espace, quand on passait les évaluations tout seul, c'était pour moi, j'avais donné la règle, il fallait se mettre sur une table tout seul, individuel, pour être bien D'accord. concentré, etc. C'était la règle, ils savaient. Et un petit mot dans la boîte qui dit, il n'y a pas assez de tables pour faire les évaluations. Déjà, quand on dit, c'est quand même sympa, quoi. Quand les élèves disent, bah, je veux faire plus d'évaluations, c'est Ouais. plutôt cool. Et donc, ils ont fini par aller faire un questionnement dans les autres classes pour trouver d'autres classes, tables individuelles avec des chaises. Enfin, ils ont trouvé des tables, mais il n'y avait pas assez de chaises. Donc, ils ont fait une lettre à l'OGEC de l'école pour acheter des chaises. Et donc, Ouais. on a listé ensemble au conseil de coopération les types de chaises qu'ils pouvaient acheter. Et donc, quand l'OGEC reçoit une lettre comme ça, ça donne vachement de valeur, en fait, au travail de la classe Bah oui. coopérative, finalement. Et c'était super parce que ça venait vraiment d'eux et j'avais bouclé la boucle du conseil de coopération, du plan de travail, tout ça, c'était super, quoi. C'est vrai ce que dit Mathieu. Après, le conseil de coopération peut ouvrir sur un conseil d'école où, si toutefois c'est pratiqué dans d'autres classes, on peut parler d'un système de délégués qui vont se retrouver pour éventuellement apporter des questions à l'OGEC ou à la direction, etc., ou même à la cantine, enfin peu Aménagement de importe. la cour de récré, règles de vie dans la cour de récré, etc.
Ouais. Et pour parler, pour rebondir un peu sur ce que tu disais et peut-être enchaîner sur les freins, est-ce que justement tu disais que tes élèves voulaient plus de tables seules, donc du coup tu as rajouté les tables, mais du coup est-ce que l'espace de classe, la taille qu'on a de classe, ça peut être un frein à vouloir se lancer en pédagogie coopérative? Oui. Bah ouais, ça peut, hein. Moi, je me souviens d'une classe de CE1 où on pouvait même pas distribuer le cahier, il fallait faire passer le cahier à l'autre bout de Oui. la ligne. Là, on avait plutôt mis un seulement j'ai réussi, j'ai besoin et qui peut m'aider parce qu'on pouvait vraiment pas faire autrement, quoi. Il n'y avait pas d'espace. Si, on avait préservé un espace lecture, mais c'est tout ce qu'on avait pu faire. Après, en formation continue, c'est souvent quand on parle de l'aménagement de l'espace, ça ressort souvent et ça, moi, j'en suis bien conscient. Ça. Après, moi, j'invite toujours à faire un plan de classe sur papier, quoi, à peu près à l'échelle, où on se dit, bon, j'ai quoi dans ma classe? Qu'est-ce que je vais virer? Parce qu'il faut enlever des choses qui servent C'est vraiment à ça. rien. Je pense qu'il faut vraiment être clair là-dessus. Hein. Je Il y a des choses suis qu'on n'a bien pas. Il d'accord. y a des meubles qui servent à rien. Il y a des choses. On arrive dans des classes, des fois, il y a des bouquins qui sont là depuis je sais pas combien de temps, qui n'ont jamais servi, en fait. Exactement. Une grosse Faire la classe. armoire énorme au fond de classe qui Voilà. prend je sais pas combien de place. Non, c'est une classe feng shui avec des choses que ça ne doit pas dépasser, ça doit être bien net. Ce n'est pas une classe Instagram du tout, hein, ce n'est pas du tout ça. Mais c'est par contre une classe pratique pour les élèves et puis pour les outils qu'on met en place, quoi. Ah, moi j'épure au maximum Bah, c'est aussi. ça, hein. Bah non, mais voilà. Déjà, virer son bureau, non? Exactement. Pas de La bureau. première chose, le premier meuble à virer, c'est pas celui-ci. Moi, j'avais mis une planche là au mur, mais debout, une station debout avec des chevilles là, et puis ça tenait debout. Donc, j'avais posé mon ordi dessus, ça suffisait. Après, tu corriges sur les tables des élèves quand ils ne sont pas là. Voilà. Puis, un petit Est-ce qu'il coin y a d'autres déjà. freins du coup à avoir envie de se lancer justement dans ce système, Alors moi, enfin dans... j'en ai rien, mais c'était assez personnel, mais ça touche certainement plein de collègues, c'est le travail à temps partiel. Parce que moi, j'ai travaillé à partir d'un certain moment dans ma vie à mi-temps, et quand la collègue n'est pas très organisée, enfin, n'est pas organisée de la même façon, et qu'on retrouve les tables complètement bougées le jeudi quand on arrive, bah, ça nécessite de ramer un peu pour maintenir ce mode de travail. Donc ça, je dirais ça comme obstacle. Et puis, ouais, bah, ça, c'en est un, En majeur. lien avec les collègues, ça peut être aussi d'être assez isolé dans une équipe et finalement faire cavalier seul dans son travail, même si ça ne doit pas être un frein. Je pense que voilà, ça parle toujours de ce qui se passe dans la classe de monsieur Intel, et lui, ils font comme ci, ils font comme ça. Bon, ça, c'est un truc qu'on, je pense, partager en équipe, c'est important justement sur ses réussites. Et chez l'établissement, il a pour ça aussi, mais faire le point sur ce qui se vit dans les classes pour peut-être donner envie à d'autres, partager des techniques. Rentrer dans les choses, donc c'est un premier frein. Après, le deuxième frein, je pense, moi, vraiment, c'est le besoin de contrôle important de la part des enseignants, Oui, quoi. Je crois. Et parce qu'on a un métier du contrôle, quand même, il faut dire ce qu'il y a, hein. Les programmes, l'emploi du temps, on est sur un truc hyper normé, hein, hyper c'est réglé. clair. Et donc, sortir de ces règles-là, c'est pas toujours évident, je pense, pour tout le monde. Donc, il faut accepter ça, et ça demande quand même, il faut se l'avouer, hein, du travail en amont, de préparation, ça demande quand même du boulot, quoi, hein, faut pas se cacher. Ouais, c'est pour ça que peut-être dans les conseils pour éviter que ces freins soient trop pesants et empêchent de se lancer, c'est d'oser travailler peut-être sur une année sur que les maths, par exemple, ou que le français. Et comme ça, on construit des outils dans une des disciplines, on fait tourner ça un peu, ça nous Ouais. donne des idées et après on se lance dans une autre discipline. Parce que sinon, ça peut être hyper oppressant de ne pas avoir, comme disait Mathieu, le temps de tout faire. Ça Et nous... les gens arrêtent en général, hein, ils veulent lancer trop Trop de de choses en chantiers même temps, ouais. en même temps, ouais, et donc ils se découragent assez rapidement. Alors que commencer par une petite feuille de route, simple, pourquoi pas avec une matinée dans la semaine où on fait des évaluations autogérées, on se dit qu'on a 3 semaines pour faire toutes ces évaluations-là, et le vendredi, bon, on choisit ses évals. Et si on ne fait pas une éval, et ben on continue à s'entraîner grâce à la feuille de route, etc. Et l'enseignant, il est présent sur un moment dans la semaine. Voilà, déjà, commencer petit comme ça. Et je pense que c'est le premier pied à l'étrier. Et on commence. Voilà, on ne se donne pas trop de pression, Et déjà. puis le conseil de coopération, Voilà, en tu peux mettre en parallèle. place en parallèle, comme Ouais, là, ça. important, ouais. Tutorat, formation des tuteurs, c'est des petits trucs qu'on peut faire assez facilement, quoi. Oui, brevet de tuteur ou autre, des choses comme ça Ouais, pour se voilà. lancer. Et en plus, il y a plein de ressources aussi sur Internet. Et du coup, tous ces conseils, vous les donnez dans votre livre? Oui, ben, en fait, ils sont énoncés assez clairement. Et puis, surtout, il y a des outils de base sur lesquels qu'on peut utiliser en direct, quoi. Il y a des Ouais. ressources directement exploitables. Ça se veut pratico-pratique. Nous, on est tous praticiens, donc on est tous dans nos classes. On s'est dit, bon, qu'est-ce qui peut aider quand on parle de plan de travail? Donc, il y a des choses à télécharger. Puis, il y a des petites pistes après. Oui, j'ai vu qu'il y avait des ressources numériques aussi, c'est ça? Il y a des vidéos aussi de classe, il y a des choses comme ça.
D'accord, donc il y a des exemples voilà, où vous êtes filmé dans certaines classes pour inspirer. Donc, il est aux éditions RET, c'est ça? C'est ça. Enseigner en classe coopérative. Oui, cycle 2 et cycle 3, parce que là, bon, voilà, vous êtes plutôt spécialisé en cycle 3, mais tout ce qu'on a dit là, voilà, en fonction aussi de l'autonomie des élèves, ça y joue aussi, ça. Ben, oui. C'est ça, le plan de travail va évoluer, il va être différent en cycle 2. Il n'y aura pas la même mouture qu'en cycle 3, il y aura des images, et puis ce sera plus réduit, les champs de travaux seront plus réduits, etc. Oui, la forme du conseil de coopération aussi, avec des outils, avec des boîtes, des choses qui vont permettre de prendre appui sur des choses proposées par les élèves. Oui, c'est évolutif, effectivement. D'accord. Et pour finir, est-ce que je sais pas, aux enseignants qui hésiteraient à se lancer, comment leur donner l'envie de, au moins de tester, comme tu disais, voilà, commencer par une feuille de route. Mais après, parce c'est que, avec tous les bénéfices que vous avez eus, vous pouvez conseiller ce mode de fonctionnement. Bah, c'est du partage d'expérience, je pense, qui est toujours sympa à entendre. C'est se dire que moi, je vais donner l'exemple de ma conjointe. On a commencé à travailler ensemble en cycle 3, pareil, et on a toujours fait des ateliers ensemble. Et moi, je suis parti dans la direction coopérative avec le plan de travail. Elle m'a pas suivi dans cette direction-là. Et aujourd'hui, dans son travail, elle sent qu'il lui manque un truc. En fait, elle se dit, oh, j'aimerais bien quand même donner plus de place aux élèves et puis être dans une posture différente moi-même. Et donc, on a pas mal échangé aux vacances où je l'ai un peu outillé par rapport à tout ça. Et là, elle a lancé les petites évals autogérées dont j'ai parlé tout à l'heure, une feuille de route simple, hein, en maths et en français, mais très simple. Ouais. Et bah, elle adore, quoi. Et les enfants, surtout, adorent de choisir, de revenir travailler s'ils n'ont pas réussi, etc. Et vraiment, elle s'y retrouve beaucoup. Et parce qu'elle a une nouvelle posture, un autre rôle dans son travail de classe, je pense, et elle s'épanouit là-dedans aussi. Moi, ouais, j'insisterais bien là-dessus, sur le fait de pouvoir travailler avec d'autres, à deux ou à plusieurs, un petit groupe, parce qu'on avait lancé le groupe de coopération, là. Ça aide vraiment, ça démultiplie aussi les possibilités de fabriquer des ressources qui peuvent servir à d'autres, on se les partage. Ça aide beaucoup. Ouais, travailler avec d'autres collègues. Ouais, de se sentir à plusieurs, peut-être dans une école, c'est plus facile, ou même école voisine, peut-être. Réseau, aussi. Oui, voilà. D'accord, ouais, bah écoutez, pardon, tu voulais rajouter quelque chose, Mathieu, je t'ai coupé. Ensemble, on est plus fort. Exactement, exactement. Non, mais c'est toujours important de. Enfin, moi aussi, je suis arrivé dans une petite école où j'étais tout seul à faire un peu ce genre de fonctionnement et les ceintures de compétences aussi que je fais depuis pas mal de temps. Et quand je suis arrivé dans ma nouvelle école, j'ai eu la chance d'avoir un collègue qui avait envie de travailler comme ça aussi avec moi. Et ça m'a vachement enrichi aussi parce que j'avais plein de certitudes. Et lui, il avait un autre regard que moi. Et ça nous a vraiment enrichi l'un l'autre. Et on a poussé le concept beaucoup plus loin que si on était tout seul dans son coin. C'est vrai, on a du mal à faire une introspection un peu de ce qu'on fait, de ce qui marche, de ce qui ne marche pas, de ce qu'on pourrait changer aussi, quoi. Oui, puis c'est bien ce que tu dis, de voir ce qui ne marche pas non plus. Hein, parce qu'il ne faut pas s'entêter dans des fonctionnements des fois. Non, exactement, oui. Et les autres sont aussi là pour dire, bah, tu vois, là, je ne suis pas sûr. Et c'est bien, du coup, de prendre le temps. Exactement, exactement. Il faut prendre son temps. Et c'est ça aussi, lâcher prise, c'est prendre son temps aussi, de voir la classe évoluer, comment elle va grandir. Et peut-être après, bah, revenir un peu en arrière, repartir, revenir en arrière. C'est tout un ajustement, quoi. C'est un travail d'équilibriste, quoi. C'est exactement ça. C'est ça. Eh ben, merci à tous les deux d'avoir accepté de venir dans mon podcast. Merci à toi. Oui. Bah, je sais que donc votre livre est aux éditions RET, je mettrai le lien dans la description, et vous avez aussi le compte Instagram qui s'appelle je sais plus comment, enseigner en classe coopérative. Enseigner en classe coopérative, voilà, pour vous contacter si vous voulez échanger avec vous. Je sais pas si on peut vous retrouver autre part sur les réseaux individuellement, peut-être pas, peut-être que ce compte Instagram ça suffit déjà. Ouais, c'est pas après, on essaye d'y mettre des petites images illustrant aussi des pratiques de classe, c'est toujours sympa. D'accord, bah voilà, je conseille à tous les auditeurs d'aller faire un tour sur le compte. Je mettrai le lien aussi en description de l'épisode. Bah écoutez, merci à tous les deux. Et puis, merci beaucoup. Merci. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. D'accord, bah toi aussi, bonne soirée. Bonne soirée, Edouard. Merci. J'espère que cet épisode t'a plu. Maintenant, à ton tour de jouer. N'hésite pas à me mettre 5 étoiles ou un petit commentaire gentil, ça fera toujours plaisir. Et aussi, je compte sur toi pour partager cet épisode, voire le podcast tout entier, afin de le faire connaître. Merci et rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode.